Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis seul. Il est 4h du matin. Une maison que je passe de temps en temps devant. Des internautes m'ont expliqué que cette maison était en construction et ils n'ont jamais réussi à la finir. Il y a toujours eu des problèmes d'ouvriers ou autres. Donc ça fait pas mal d'années qu'elle est comme ça. Et dans le village, on dirait qu'elle serait certainement hantée. Donc on va aller voir ça ce matin ensemble. Allez, c'est parti. Bon, là je suis en dessous de la maison, mais il n'y a pas d'accès. Regardez. Peut-être là-bas au fond, on va aller voir. S'il y a un accès. Il y a un escalier, on va prendre l'escalier, on verra bien ce qu'il y a en haut. En fait, je la connais pas trop la maison, je suis passé plusieurs fois devant. Une fois, je me suis arrêté vite fait, mais on a fait le tour du terrain, mais vraiment vite fait, quoi. Bonjour. Le tour. C'est la végétation, il y en a partout. Okay, bon, voilà, on est à l'étage. Ça aurait été une très très grande villa en réalité, quoi. Elle est super grande cette villa. Donc on va essayer de découvrir ce qui se passe ici. Je sais pas pourquoi elle n'est pas finie réellement. Bonjour, je me présente, David. Alors je suis enquêteur dans le paranormal. J'ai eu des échos dans le village comme quoi cette maison serait peut-être hantée. Il y a toujours eu des problèmes pendant les travaux. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un ici? Est-ce qu'il y aurait une entité ou un esprit qui voudrait bien communiquer avec moi? Alors, je ne suis pas là pour vous embêter. En fait, je suis là pour essayer de comprendre pourquoi cette maison n'est pas terminée. Est-ce que ça vous dérange que les personnes construisent ici? Alors si c'est le cas, essayez de parler dans mon micro pour passer votre message. Il y a des chiens partout.
Est-ce que vous êtes ici avec moi? Je pense. Ah non, c'est là où je viens. Bon, ben c'est pas de bonne, il y a les chiens juste là, ça arrête pas de hurler. Donc ça va être compliqué au niveau des PVE pour les capter, c'est embêtant ça. Enfin bref, on fait avec, on n'a pas le choix. N'ayez pas peur, essayez de communiquer avec moi s'il vous plaît. Je suis vraiment pas là pour vous embêter. Je sais qu'il y a eu plusieurs problèmes dans cette maison, dans cette villa. Est-ce que ça vient de la maison ou du terrain? On ne sait pas. C'était votre terrain avant? Est-ce que vous voulez bien me laisser un message, s'il vous plaît? Afin qu'on puisse le communiquer. Alors ce qui m'inquiète le plus dans des maisons comme ça, c'est pas les fantômes, c'est plus les rats. J'ai horreur de ça, mais une phobie, même une grosse phobie des rats, quoi, en réalité, quoi. Donc j'espère ne pas en croiser, là. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Tapez sur un mur. De l'autre côté aussi. Est-ce que ça vous embête que je sois là? Et de quoi faire du bruit ici? Vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît? Vous bougez quelque chose? Donc vous voyez, la maison elle est entièrement en ciment, quoi. Elle est laissée à l'état brut. Et oui, effectivement, c'est pas mal de temps. Moi, depuis que je suis dans le coin, ça fait bientôt un an et demi, je pense. J'ai pas vu de changement de cette maison depuis. Hein. Et je sais que les internautes m'ont expliqué directement que quand ils passaient devant, ils avaient des sensations bizarres dans cette maison. Donc ils s'arrêtaient pas, hein, ils passaient seulement, mais... Ils avaient des sensations rien qu'en passant devant. Alors moi j'aimerais savoir s'il y a encore une entité dans cette maison qui voudrait communiquer avec moi. Alors je veux qu'elle sache que je ne suis pas là pour lui faire du mal. J'ai juste une caméra avec un micro avec moi qui pourrait capter votre voix si vous voulez bien parler et nous expliquer pourquoi
Vous refusez que cette maison soit finie. Alors, n'hésitez pas à vous approcher de la caméra et de parler très fort dedans, s'il vous plaît. C'est dommage, normalement il y a un étage en plus, mais pour l'instant il n'a pas été fini quoi. Je peux pas y monter, l'escalier n'est pas là. L'étage est bien présent, l'escalier n'est pas là et il n'y a pas encore le toit au-dessus. Donc c'est un peu dommage, j'aurais aimé enquêter aussi au-dessus. Alors, vu ce qu'on raconte sur cette maison, la grandeur de cette maison aussi, quoi, qui d'extérieur est assez glauque, j'aurais cru avoir des petites sensations ici, mais finalement, en fait, moi je suis pas sûr qu'il y a encore quelque chose ici, étant donné que je me sens bien en réalité, quoi. Je me sens pas mal. Donc, j'espère s'il y a quelqu'un, au moins, qui va essayer de communiquer. Est-ce que vous êtes encore ici, s'il vous plaît? Je pense qu'il est possible pour vous d'essayer de communiquer avec moi dans les micros. Si c'est pas trop vous demander. Ou alors peut-être que vous avez peur de moi. Moi en tout cas, j'ai pas peur de vous. Je suis là pour essayer de communiquer avec vous. Donc j'aimerais bien que vous me laissiez un message. Que je pourrais analyser et peut-être je serai amené à venir vous revoir. Est-ce que vous voulez bien faire un bruit distinct? Que je puisse savoir que vous êtes avec moi. Ça trouble légèrement. Surtout parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Je ne vais pas rester longtemps. Donc j'aimerais que vous parliez avant que je parte. Et que vous me laissiez le message que vous voulez peut-être faire passer depuis un moment. Profitez que je sois là. J'espère que vous n'avez pas peur de moi, je suis quand même tout seul là. Vous pouvez essayer de communiquer avec moi là, c'est possible. Donc en fait, j'ai fait plusieurs fois le tour de ma maison. Je sais pas trop si j'ai des réponses, étant donné que j'ai pas pris de casque, j'ai rien pris. Hein, comme d'habitude, quand je viens seul, généralement, je prends pas grand chose. Ou la seule fois que j'ai pris quelque chose, je suis arrivé ici, j'avais plus de piles. Donc enfin bref.
J'espère qu'il va essayer de laisser un message. Parce que je ne vais pas rester super longtemps non plus. Sans matériel, à tourner en rond dans la maison, à force, on ne sait plus quoi dire. Donc, je vais refaire un petit tour. Je vais interpeller encore une fois. Et je pense qu'après, on s'en ira. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom ? Je m'appelle David. Quel est votre nom à vous, s'il vous plaît ? Ça trouble fort. Est-ce que vous êtes proche de moi ? Si c'est le cas, essayez de communiquer dans la caméra, s'il vous plaît. Si vous me laissez un message, je serai peut-être amené à venir vous revoir. Faites un effort, essayez de parler très fort dans le micro, s'il vous plaît. Et si c'est moi qui reprends cette maison, ça vous embêterait ? Je suis prêt à aller l'acheter, moi, la maison, si vous voulez, là. Et moi, je vais la finir. Ça vous embête ou pas ? Dites quelque chose, s'il vous plaît. Je refais un tour, je vais pas rester longtemps, juste pour que vous essayiez de me laisser le message, si c'est pas déjà fait. On a fait le tour.
Donc, je crois qu'ici, je sais pas où ça va. Je crois qu'on est en hauteur là. Oui. Bon, bah moi je vais partir. J'espère que vous m'avez laissé un message. Et que je serai amené à venir vous revoir. On va descendre. Bon, les amis, moi c'est ici que je vais clôturer cette vidéo. J'espère qu'ils m'ont laissé un message et peut-être qu'on reviendra. Peut-être que je reviendrai pour essayer de communiquer plus avec eux si vraiment il m'a laissé un message. Enfin, il ou elle, je sais pas. En fait, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Je sais pas vraiment ce qui s'est vraiment passé dans cette maison. Mais enfin, bref, voilà. Pour moi, c'est terminé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.